Agis, parce que là, tu vas t'appuyer sur toi, et c'est pas bon. Appuie-toi, aie confiance au Père. En fait, aie confiance, c'est tout. La confiance est une porte. Tu ouvres la porte, tu entres. Bon, pour avoir confiance, dis-toi que l'Oba n'est pas mauvais. L'Oba n'est pas mauvais. Il ne souhaite pas ton mal. Ça n'a pas de quoi. Mais où est l'intérêt? Même dans la Bible actuelle, mon moni dit, aïe, il a employé une phrase là dans le cantique des cantiques. Aïe, pas dans le cantique des cantiques, dans l'Ecclésiaste. Voilà ce qu'il dit. Voilà ce que mon moni a essayé d'expliquer quand il était sur la terre. Quand il parlait de tout ce qui se faisait sur la terre, il dit que c'est une occupation pénible à laquelle Dieu soumet les fils des hommes ou les fils de l'homme. Et ça, c'est faux. Comment l'homme va? Mais il n'a pas. C'est pas qu'il n'a pas tout ça. Tu vois la fourmilière. Il y a des grandes fourmilières comme ça. Tu vois plein de petites fourmis. Supposons que c'est toi qui les as créés. Bon, tu as permis qu'ils soient manifestés, tout ça, ils ont un mode de vie. Et toi, tu décides comme ça. Tu choisis que cette fourmi-ci va souffrir. Ça sert à quoi? Où est ton plaisir là-dedans? Puisque tu manifestes la vie, comment tu vas manifester la souffrance? Ça veut dire qu'il y a la négation, il y a le contraire. L'homme est hors de ça. Il est hors.